Salut à tous, c'est Fridouille91. On se retrouve pour notre let's play numéro 5 de Castlevania Harmony of Dishonored. Lors du dernier épisode, on avait vaincu notamment un boss, on avait trouvé de nouveaux items et surtout, on a réussi à choper le double saut. Dis-moi pas que c'est le double saut. Oh oui, c'est le double saut. Ce qui va nous permettre d'avoir accès maintenant à de nouvelles zones du château. Ça va être juste génial, donc on va continuer à avancer, on va continuer à trouver des items, on va continuer à trouver des boss. Alors c'est un let's play que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Je pense qu'il va y avoir une bonne vingtaine d'épisodes. Mais ça vaut vraiment le coup de voir le jeu dans son intégralité et de pouvoir suivre l'évolution de l'aventure de A à Z. On continue l'aventure et bonne vidéo. Double saut, voilà. On est dans un nouveau secteur. Je suis où là en fait? On va à gauche ou à droite? Bon, on va à gauche. Puisque vous insistez. Ouh là là, je le sens pas bien ici. Ils tiennent pas leur vie ou comment ça se passe? J'ai pas déjà été ici? Non, sûrement pas. C'était quoi ce truc là? Ok. Oh là là! Je sens que ça va me plaire ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc? Laser cap! Un nouvel item! Alors, le laser cap, voilà, c'est ça. Ça me permet d'augmenter 2 points de défense. Un peu pas courant, quoi. Ah, tiens, je peux pas aller par là parce que j'ai pas le pouvoir encore. Ok, donc j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Bah non, pas pour rien. Alors, on est où? Rappelons-nous. Ok. Allez à droite alors. Ouais, sauf que j'ai pas envie de ça moi. Je préfère mon couteau. Qui m'envoie des trucs automatiquement. Oula, oulala, oulalalala. Oh Jean-Kevin, aidez-moi. Oh putain, sa mère la popette. Ouh, ah c'était chaud ça. Oui, tout à fait. Oh là là, c'est compliqué ce passage. Oh mon dieu, juste. Alors, oh, ça valait le coup. On est venu pour un life max up. Bon, on va faire une petite sauvegarde parce qu'après il n'y en a plus de pendant longtemps. Et après, on reviendra ici. Voilà. Donc, je suis revenu à cet endroit-là. Hein, j'ai fait tout le parcours là, je vous ai épargné ça, et on va continuer. On va aller par ici, tiens. Oh là là, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cet engin là? Il recule à chaque fois. Il va se planquer dans le mur. T'es sérieux, gars? Est-ce qu'il va revenir ou quoi? Eh ouais, il revient ce con. T'aimes te faire mal, toi hein? On peut le tuer ou pas? Ou comment ça se passe? Vous savez quoi? On se casse. Le principe. Oh, c'est quoi ça? Des Uncle Grards. Tiens, bon, on va s'équiper. Au lieu de mettre les Laser Boots, on va mettre les Uncle Grards. Et voilà, on gagne en défense. Fantastique. On va où, là? On va par là. Vous avez vu ce qu'il y a derrière, hein? Là, au fond, là. C'est quoi, ce truc? Sérieux, on dirait un poisson en 3 yeux, là. Wait a minute. One... 2, 3. Oh, une petite potion, ça fait plaisir ça. Oh là 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 là, je le sens pas son droit. Je sens le truc bien glauque. On y va ou pas? Bah ouais, pas de choix en même temps. J'ai envie de te dire. Allez, on retrouve notre pote là. Ah. Ah ok, d'accord. Je peux même pas y aller. Hop, de par hasard. Lui, on va se le faire comme ça. Ah, plus vite. Ah, par contre, là, je peux aller à droite. Ouais, ben. Oh, mon cœur. C'est quoi, ça? Je peux faire ça.
On le prend ou on le prend pas? Bah oui, quand même. Alors, où en est-on? Ah d'accord, tout ça pour un cœur. Et à gauche, je peux pas y aller non plus, là. En bas à gauche. Parce qu'il y a le mur, là. Donc il va falloir que je continue au-dessus, en fait. Donc je vais arrêter l'enregistrement et je vais vous reprendre juste après. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait tout le chemin pour me retrouver jusqu'ici. Et on va aller voir ce qu'il y a à droite. C'est parti. Voilà, ah oui, c'était la fameuse cave. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ouais, ça va. Pas trop dur, ça va. Les chauves-souris. Vous avez vu le cœur? Il est parti en haut. C'est quoi ce délire? YOLO! Hop. Alors, ici, il y a quoi? On sait pas. Il y a des trucs. Ça, ouh là, ça. Alors, elles, les sorcières, là, mes amis, je peux vous dire qu'elles sont casse-bonbons, quoi. Elles vous collent aux fesses. Hop, les petites plantes venimeuses. Et voilà, j'ai pris du poison. Donc on va prendre un anti-poison. Voilà, status. Vous voyez, je suis passé d'un statut machin à un statut good. Ok, va te faire champouiner. Allez, dégage. Vous savez quoi, on s'en bat. Je suis dans un statut... Hop, 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 hop. Non, parce que là... ah si, je suis good. On va prendre de la potion, là, parce que... On va en prendre deux parce que... On va pas trop s'approcher non plus. Voilà. Il y en a combien comme ça? Et... Ah, attendez, j'ai pas été voir. Non. Alors, ça serait bien qu'il y ait une petite salle de sauvegarde, là, mon gars. Ouh, une high potion. Ben voilà, c'est pas mal aussi, remarque. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça là? Sérieux, des mecs empalés qui sautent? Ils sont sérieux là? Bon, heureusement c'est pas très dangereux. Eh ben la cave elle est grande hein. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est compliqué ça hein. Bon, on va se casser. Allez, encore cette fleur là. Et voilà. Putain, elle chante cette fleur hein. Ah bon, ça va. J'ai pas pris du poison cette fois. Oh, une salle de transfert là. Non. Bon, ah bah on va se contenter de ça hein. On va aller dans ce nouveau domaine. Je suis où là? Le Skywalkway. Ok. Je sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer comme ennemi. Ah, mais c'est encore mon copain Maxime. Est-ce que t'as trouvé Lily? Bah non, toujours pas. Et toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah ça veut dire que je l'ai pas trouvé. C'est tout. Point barre. Je cherche pas. Oui, oui, j'ai ma mémoire qui dit. Ah, ok. Allez, continue. Là là là, je veux y croire mais je sais pas quoi. Il paraît que la récule est revenue là, bon, je sais pas quoi. Ouh là, bon, vous ferez pause si vous voulez parce que là on a pas trop le temps là. Ah, moi aussi je crois en toi, c'est bien, toi aussi. Ah, c'est peut-être dire qu'il y a un boss là, parce qu'en général quand lui il apparaît, bon, ça va. Ouh, un petit load up, ça fait plaisir. Bon, là ça aussi ça donne du poison hein. Je vous le dis, si vous touchez ces petits machins là. Oh, il y a de la potion là-haut, là. Tiens, on va aller chercher ça. Voilà. Ouh, des archers. Tiens, on va faire un petit coup de... Alors, ici, on a quoi? Tiens, c'est joli, les graphismes. Hein, bon, vous savez quoi? On va même pas les tuer, eux. Parce que... Ça me saoule d'avance. Ouf. On est dans la chapelle. Ok. Pour moi, elle sert à rien. Mais bon. Alors. Où est-ce qu'on est ici? D'accord. On peut monter là.
Oh, un petit cœur, c'est sympa ça. Ouh, et un peu d'argent aussi au passage. Oh là 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 là. Je me suis défoncé là. Ça le prix de tout le volant. Hein. Ouh, c'est quoi ça? Ah, tiens, on va s'équiper là. C'est quoi? Emerald Cloak. Pas mal. Ça me fait augmenter d'un point ma défense. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a une porte. Pour passer cette porte, en fait, il faut le bracelet de Maxime. Mais on l'a pas encore. Donc on peut pas passer cette porte. Il a été là? Non, je crois pas. Il a été là. Ouh, il y a un truc très intéressant là-haut. Vous voyez? C'est une relique. Sauf que là, en fait, le double saut n'est pas suffisant. Il faut encore un truc supplémentaire. Et justement, pour le moment, on ne peut pas l'avoir, mais on l'aura plus tard. Alors, où est-ce qu'on est? Bon, ben, il faut que je redescende, en fait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ce secteur. Je ne peux pas faire plus. On est revenu ici. Voilà. Alors, je crois qu'ici, il y a une salle de boss. Ouais. Et il y a une, doit y avoir une salle de sauvegarde, en fait, juste en bas. Mes souvenirs sont bons. Voilà, ici. Oh yeah! Il y a un petit boss. Ça veut dire qu'on va aller faire un tour vers le boss. Un autre chandelier. Oh, tout ça pour ça. Fantastique. Non, il y a encore un petit emplacement à droite. J'y ai pas été. J'entends un bruit, là. Wow! What the fuck? Voilà, j'ai bien fait de venir, vous voyez, un élixir. On est prêts, les mecs? Allez, c'est parti. On va attaquer le boss. Ouh! C'est quoi, lui? Et voilà. Et en plus, je me prends une cure. Ah là là, bon, on va mettre une potion. C'était quoi, anti-vénom? Non, c'est ça qu'il faut. Et voilà. Ouf. Ça fait mal, hein. Ça, on a des élixirs. On va vite prendre une potion là, une high potion. Ça va me faire recharger pratiquement tout d'un coup. Bah, non, c'est pas ça. Ah, quand je suis en curse, je peux pas. Mais il crève ou quoi? Putain, il est dur. Hein. Ah là, j'avais oublié. Putain, c'est pénible ça. Vous savez quoi, on va y aller gentiment. Voilà, on va y aller tranquillement. On n'est pas pressé. On se concentre. Oh là là, c'était quoi ça? Nouveau ça. Et il est coriace l'animal. On va la voir, ne vous inquiétez pas. Ouh là là, c'est nouveau ça. Eh ben voilà, on l'a eu. Tranquille, tranquille. Et voilà. Ok. Ouh, les Night Goggles. Les Night Goggles. Ouais, en fait, ces petites lunettes, n'est-ce pas, vont nous permettre d'accéder à un endroit où il fait totalement noir et où on ne voit rien, et donc il faudra porter ses lunettes pour y voir quelque chose. On va déjà essayer de voir si en les portant on ne peut pas gagner des compétences. Alors elles sont où, les Night Goggles? Elles sont là. Ouais,
Ça me diminue mes défenses, ça m'augmente mon intelligence et ma chance. On essaye? Ouais, allez, on va essayer. Comme ça, on les aura. Par contre, on est où? On va descendre là pour voir. Voilà les amis, on va se laisser là pour l'épisode 5. On se retrouve dans les prochains jours pour l'épisode numéro 6. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Allez, ciao ciao !